Salut à tous et j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais essayer de créer mon nouveau pad de travail. L'ancien que j'avais, j'ai dû le partager vu que j'avais déménagé. Alors aujourd'hui, je vais refaire un nouveau pad et je pense que vous voyez, je l'ai déjà. Et dans la vidéo, je vais un peu vous montrer comment j'ai procédé pour me fabriquer mon pad de travail. Alors je vous dis à tout de suite, hein. Je viens un peu de terminer la première partie que j'avais à faire. Il me reste juste mettre quelques accessoires comme ce que je mets souvent. Je peux mettre la mousse, l'éponge qu'on met souvent sur le lit, et un petit truc qu'on peut mettre par dessus, un petit truc cuir en fait. Donc je l'installe et puis je vais compléter les autres trucs après, vu que là je n'en ai pas encore. Donc à tout de suite. Alors le pad n'est pas encore fini jusque là. Il faut juste que je trouve certains trucs qui manquent, comme je l'ai précisé. Et dès que je vais l'avoir, vous serez les premiers informés, parce que je vais toujours vous mettre une petite photo ou bien une petite vidéo pour vous signifier que le pad est prêt pour certains exercices que je vais devoir vous donner. Et ces derniers temps, j'utilise ma batterie parce que j'ai eu un petit problème avec cette dernière. Alors je préfère un peu travailler avec le pad. Alors je vous dis à très bientôt pour voir la suite et voir comment ça va donner. Alors si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve pour les prochaines vidéos, toujours avec RDG. Peace.